Thibaut, encore une troisième place hier. Ouais, une troisième place assez frustrante parce que voilà, je pensais faire mieux, parce que prendre du temps sur les favoris hier, c'est impossible parce que ça roulait à 30 à l'heure dans un col, c'est pas possible. Mais voilà, je visais vraiment la victoire d'étape. Après, quand Carapaz est parti, je me suis retrouvé un peu seul pour faire l'effort. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? C'est une ascension très longue. Enfin, c'est deux ascensions très longues. Comment ça va se passer selon vous? Ouais, c'est deux ascensions très longues. C'est surtout le fait qu'il y a l'altitude et puis il va faire peut-être un peu froid aussi au sommet. Donc voilà, je pense qu'il y aura certains écarts aujourd'hui, j'espère. Il y a de l'impatience un peu chez vous, après toutes ces étapes, d'arriver enfin à ces vraies explications? Ouais, il y a de la patience. Après, c'est comme tout, il faut avoir des bonnes jambes pour attaquer. Et j'espère avoir de bonnes jambes pour essayer d'attaquer. Si je suis un peu limite, essayer de rester au contact des meilleurs. Les Mitchelton avec deux coureurs, ils vont attaquer, vous pensez, ou ils vont plutôt défendre le maillot? Mais ils peuvent attaquer chacun à leur tour, donc c'est difficile. C'est une stratégie qui va être dure à comprendre et puis même dure à choisir. On ne peut pas courir sur tout le monde, surtout avec deux très bons coureurs comme ça. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura un des deux qui sera moins bien aujourd'hui.